Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors voilà un site, le site officiel hein, qui s'appelle servicepublic.fr. Alors ce site n'est pas très connu. Hein. Les gens quand ils cherchent une information administrative, impôts, acédiques, licenciement, etc., carte grise, ils font des recherches directement sur les moteurs de recherche et ils tombent sur des sites qui vous proposent pas mal de trucs. Mais le mieux, hein, c'est de prendre le site officiel qui est fait exprès. Hein. C'est un site qui est fait pour vous, hein, pour les citoyens de France et outre-mer. Hein. Et sur ce site, vous trouvez pratiquement toutes les administrations à jour avec les décrets d'application, les dossiers à télécharger. Vous avez pratiquement tout dessus. Hein. Donc, un seul site de référence, regardez là-haut, hein. service-public.fr hein, et vous tombez officiellement sur la page de l'État français, la République française. Hein, hein, donc, et là-dessus, il n'y a pas de sournoiserie, genre télécharger ça, ce machin, etc. Non, non, là-dessus, c'est très très propre et vous êtes informé de toutes les lois, les décrets d'application, les dossiers de téléchargement. Hein, donc vous avez... Par exemple, service en ligne, vous avez changement d'adresse en ligne, demande d'acte de naissance, copie intégrale ou extrait de naissance, etc. Toutes les infos pratiques qu'on peut faire. Hein. Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales. Alors, signaler une fraude carte bancaire. Histovec, c'est historique de simulation. Ça, c'est très pratique quand vous achetez une voiture, par exemple. De vérifier le kilométrage avant d'acheter un véhicule pour voir s'il n'y a pas une différence trop grande lors des passages de contrôle technique. Hein. Alors, calcul du prélèvement à la source, achat en ligne de timbre fiscal, permis de conduire, consulter vos points, etc., refaire sa carte grise. Alors, tous ces liens, ils redirigent directement sur le site officiel où on peut faire ces documents et ces papiers tranquillement sans être soucié par des téléchargements un peu suspects. Donc, vous avez les formulaires, demande d'attestation d'accueil, demande d'inscription sur les listes électorales, enfin, etc. Hein. Vous en avez plein d'autres. Hein. Donc, ça, c'est déjà la première page qui vous donne les références principales. Hein. Faire le calcul d'une carte grise, simulateur de la CAF pour les appels, etc. Vous avez aussi des infos sur les caisses de retraite, sur les ACEDIC, les licenciements, les tribunaux, etc. Vous avez pratiquement tous les dossiers qu'on peut télécharger en CERFA. Hein. Et vous pouvez après faire vos dossiers en lisant bien sûr toutes les instructions et les renseignements qu'on va vous décrire sur les pages. Bon, un exemple, par exemple, si vous ne trouvez pas un sujet sur la première page, vous tapez par exemple, allez j'ai fait un petit copier-coller, vous tapez aide financière, par exemple. Les aides financières, c'est quoi hein? Donc il va vous rediriger sur une page. Et on vous propose des aides financières. Alors là-dessus, vous avez personnes âgées, les aides financières pour rémunérer une aide à domicile, les droits de demandeurs d'asile, etc., les soins, personnes âgées, hein, pour par exemple les gens qui ont plus de 65 ans ou 65 ans, ils peuvent avoir droit à l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est à peu près 900 euros par mois. Hein. Voilà, peut-on obtenir une aide financière pour la cantine scolaire, etc. Vous avez des tas de choses vraiment pratiques. Hein. Alors moi, je vais toujours là-dessus quand j'ai besoin de remplir un document ou télécharger un formulaire. Et vous pouvez avoir accès à pratiquement toutes les infos qui sont remises à jour. Hein. Vraiment à jour. Hein. C'est très très sérieux ce site. Et vous pouvez aussi... avoir des informations juridiques hein, sur le droit du travail, sur le droit de licenciement, sur les textes de loi, les décrets, vous avez tout là-dessus. Hein. Il est vraiment très très complet. Et là-dessus, en un site, vous avez pratiquement tout. Hein. Ce qui vous évite de faire des recherches un peu au hasard, hein, car il y a des dizaines et des vingtaines et peut-être même des milliers de liens qui vous redirigent à chaque fois sur des sites, hein, mais on ne trouve pas ce qu'on veut sur ces sites. Hein. Et là-dessus, vous avez un site officiel qui vous permet d'avoir pratiquement tout. Hein. Là, moteur de recherche, hein, vous tapez votre sujet et il vous redirige ensuite sur une page qui vous décrit plusieurs lignes, etc. etc. Enfin, je pense que vous avez compris. Hein. En réalité, c'est très simple. Vous avez tout dessus. Hein. Donc, ça, c'est un site qui est vraiment... formidable, moi je pense qu'il est formidable et il est pratique, hein, car vous savez très très bien hein, que notre société, hein, notre système s'informatise
Et plus qu'on va aller, et plus qu'on va avoir besoin de faire ses dossiers soi-même. Hein, impôts, ACEDIC, CAF, logement, etc. Il faudra vraiment tout remplir. Hein. Alors, vous avez aussi un site qui est pratique, c'est le changement d'adresse. Hein, j'avais vu ça quelque part. Hein, comment on change son adresse. Hein, changement d'adresse qui vous redirige sur un site qui englobe pratiquement tous les sites où vous êtes, hein, ACEDIC, CAF, retraite, etc. Et on peut faire un changement d'adresse en passant par France Connect, je crois. Hein. Alors France Connect, c'est un site qui est branché directement avec toutes les administrations et qui vous permet de vous connecter avec simplement un mot de passe et il vous redirige après sur votre site de la sécurité sociale ou caisse de retraite, etc. etc. Donc c'est vraiment pratique. Faut vraiment consulter ce site pour bien comprendre, hein, pour bien comprendre que le seul site officiel, c'est Service public. Hein, il n'y en a pas d'autre. Hein. Là, vous aurez les informations officielles du gouvernement. Hein. Il n'y a pas de triche. Tout est à jour dedans. Hein, et c'est vraiment bien. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, jetez un coup d'œil. Je vous le conseille. Hein, attestation d'hébergement, déclaration de concubinage, demande initiale de congé parental. Toutes les infos qu'on a besoin au quotidien. Hein. Et on sait très bien qu'on c'est sans arrêt qu'on a besoin de remplir un dossier. Que ce soit pour soi-même ou un proche familial ou pour ses enfants, refaire une carte de CMU, comment on fait, etc. Ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs. Hein. Mais ce site, il est fait à cet effet, hein, pour vous faciliter les démarches. Hein. Et là-dessus, vous avez tous les téléchargements, hein, les dossiers, les CERFA, etc., les demandes et tous les renseignements, bien sûr. Donc, n'oubliez pas, hein, quand vous cherchez un document, hein, sur Internet, hein, ne serait-ce que. Un dossier d'impôts, hein, les impôts, vous allez là-dessus et vous allez tomber directement sur le site officiel. Voilà, donc bonne journée à toutes et bonne journée à tous et peut-être à bientôt. N'oubliez pas, hein, servicepublic.fr, le seul site de référence pour vos dossiers administratifs et renseignements. Salut à tous!